Inspecteur McCall, je m'inquiète un peu du déroulement de cette opération. J'ai lu votre dernier rapport. Ça se lit comme un roman, hein? Inspecteur, cette unité d'intervention est sous ma responsabilité. Et je dois être au courant de chaque opération en cours. Apprendre les faits après coup, ça ne m'aide pas à faire mon travail. Vos prouesses à Sequoia National Park auraient pu avoir d'excellentes retombées dans la presse. Miss Dixon, c'était une opération secrète. Personne ne doit savoir qu'on était dans le coup. Le but était justement d'impliquer Aranya. Manipuler l'opinion publique est aussi primordial. Il nous faut une victoire, McCall. Quelque chose qui nous donne bonne presse. Sinon, les gros pontes vont vite se dire que cette unité d'intervention ne sert à rien. Et le démantèlement d'un réseau international de prostitution, ça irait? Ce serait assez pendant pour vos journaleux. Un réseau de prostitution? Je me dirige vers le port de LA en ce moment même. Le SWAT est aussi sur le coup. Bien, mais ne faites rien avant mon feu vert. Je vais convoquer la presse de mon côté, c'est clair? Ne bougez pas avant mon appel. Pourquoi Dixon n'a pas appelé, putain? Bon, on peut plus attendre. Équipez-vous et montez dans la voiture. Son feu vert. Un con. Dixon, on l'emmerde. On y va. On devrait l'appeler. Go! Alpha, qu'est-ce que vous faites? On a pas reçu le feu vert. Mais si, on l'a. On y va. Reçu, Alpha. Delta, Sigma, bravo, on y va. Dixon, voyez-vous. Alors ça, c'est ce que j'appelle une entrée. Delta, on se fait canarder. Bougez-vous. On est en chemin. La prochaine fois, attendez-nous, putain. Il faut qu'on arrive à l'ouvrir, cette merde. Mais d'où ils viennent? Ça en fait des vigiles pour une sorte de carte. Il y a sûrement autre chose. Baissez-vous! C'est forcément ici. J'ouvre le portail. Bien reçu, on y va. À toutes les unités, on entre dans le port. Sigma en position. Bravo, bien reçu, on entre. Faut qu'on trouve les filles. Restez sur le coup. On y va. Alpha, répondez. Alpha! Delta, qu'est-ce qui se passe de votre côté? Forte résistance, secteur 2. Des hommes sont touchés. Je répète, officiers à terre. Tenez bon, on arrive. On est dans secteur 2. Je les entends. Allons-y. Allez, allez.
froid ici, c'est quand même pas les 20 filles, là. Ça va. J'enivrerai de sang mes flèches, et mon épée se repaîtra de chair, et je me baignerai dans le sang de mes putains d'ennemis, ou un truc de genre. Putain de merde, on les a tous refroidis. Fouillons le bâtiment. On y va. À gauche. Sans nous, vous seriez à la mort, je vous signale. Regardez partout, elles peuvent être n'importe où. Personne ici. Allons-y. Vide. Tuez-les. À droite. Merde! Je ne suis pas venu apporter la paix, mais une putain d'épée. Mettez-vous à l'abri! Là! Oh! Enfoiré! Rien. Go, go, go. À droite. Merde. Baissez-vous. Cible à 12h. J'avais eu cette salope. Je vais te tuer, enfoiré! À gauche! Vérifiez les conteneurs. Get it!
cible à 12 heures. Attention ! Tout droit ! Je regardais, et voici, parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et portait une balle avec ton putain de nom inscrit dessus. Ça ! Je sais pas ! Sur la grue ! Essayez d'attirer son attention, je le descends. C'est l'heure de se faire ses enculés. Joli! On avance! Allez! Attention! À droite! Vous savez, vous pouvez aussi nous en laisser! Il y a un entrepôt au bout. Allons voir. Ces filles sont forcément quelque part. Peut-être qu'elles sont pas là du tout. Peut-être que Ravier nous a étonnés. Et peut-être que vous devriez vous bouger le cul, Guerra. Tout droit. J'enivrerai de sang mes flèches et mon épée se repaîtra de chair. Et je me baignerai dans le sang de mes putains d'ennemis, ou un truc de ce genre. On leur commence vraiment à me les briser. Evans, montez, couvrez-nous. Allons-y. Sortira pas d'ici. Il
tirer, bordel! Tu ne sortiras pas d'ici! Joli tir, chef. Prenez-les par la gauche! Tout droit! Je vais te défoncer! On doit fouiller le bâtiment. Fouillons l'intérieur des containers. On n'a pas le temps. Passons au secteur 4. À gauche. Ils peuvent plus s'enfuir. Pourquoi ils se donnent autant de mal ? FBI, lâchez vos armes. Vous êtes cernés. Voyons s'ils écoutent ça. J'ai besoin de... Je ne suis pas venu apporter la paix, mais une putain d'épée. C'est trop tendu, merde. Tirez, bordel! Vous ratez pas souvent, hein. Je pense que c'était le dernier. Cherchez un abri! Allez, vite! Sors de là! Fumez-les! Dans le matin! Putain!
J'enivrerai de sang mes flèches et mon épée se repaîtra de chair et je me baignerai dans le sang de mes putains d'ennemis. Ou un truc de ce genre. Les voilà. Et où est le reste? Elles ont pris cher. Nicole. Vous connaissez Nicole? Entrepôt. Les autres. Ils les ont emmenés. L'entrepôt, vite! Butez-les! Tenez-vous prêts. Allez! D.E.A. tout le monde à terre! Pas encore. Pas avant de les avoir toutes trouvées. Cherchez une entrée. Elles sont forcément ici! Couvrez-moi! Grenade, courez! Je regardais, et voici, parut un cheval. Putain, faut vous entraîner avec ce truc au moins! J'enivrerai de sang mes flèches, et mon épée se repaîtra de chair, et je me baignerai dans le sang de mes putains d'ennemis, ou un truc de ce genre. J'ai cru qu'ils allaient jamais s'arrêter. Putain, ça chlingue ici. Nicole! Nicole! J'appelle une ambulance. Elle va devoir passer un moment en désintox. Ils l'ont shooté avec tout un tas de saloperies. Elle s'en sortira. Faut juste que son corps se purge. Tu veux me remercier? On peut se voir jeudi? Le cul de sa sœur. Evans. Deon? Tu peux me dire de quoi tu parles, là? Evans. Tu vends de la drogue pour eux?
pas flic. Ah merde, je croyais que c'était Carla. On est de la même famille. Je te connais pas, toi, t'es rien pour moi. Me mens pas, Deon. Je suis au courant pour toi et Aranya. On va parler du pognon du cartel. Je pense qu'elle nous en veut. Bon sang, vous pouvez pas la fermer tous les deux. Tard la nuit dernière, des agents fédéraux soutenus par les autorités locales ont investi un navire sur le port de Los Angeles. Plus d'une douzaine de femmes kidnappées ont été sauvées et escortées jusqu'à l'hôpital. Durant l'opération, ils ont également découvert une importante cargaison de marijuana. La police a choisi de ne pas révéler les noms des femmes ni celui des suspects. En revanche, un porte-parole du FBI a annoncé que les femmes provenaient d'un réseau de prostitution à échelle internationale. Ce trafic serait lié directement au cartel mexicain Mendoza.